D'un point de vue national, on est dans un contexte géologique assez particulier puisque c'est la terminaison du bassin sédimentaire parisien qui se termine brutalement par des falaises constituées de craie. Et elles sont assez rares en France et en Europe, ces falaises de craie. Ces falaises, leur caractéristique, c'est de reculer. Elles ne peuvent que reculer. Et le recul est d'autant plus important ici que les matériaux qui constituent cette falaise, la craie, est très sensible à l'érosion. Et on a localement des vitesses d'évolution qui sont de quelques décimètres, c'est-à-dire de 10-15 cm par an, à parfois, comme à Criel-sur-Mer, vers 50, parfois peut-être même certaines années, 60 cm par an. Ici, à l'endroit où on est, vous aviez deux rues qui ont disparu avec le temps, sur un siècle. Vous voyez, cette fameuse casquette, en fait, ce sont des poutrelles qui partent du bord de la falaise, qui traversent la route et qui maintiennent tout le terrain. Et puis après, vous avez en contrebas la digue 83, qui préserve le village. Suite aux travaux de 83, la ville a été fortement endettée et on commence là à voir la fin de ses remboursements. On avait 500 000 euros à rembourser annuellement, hein, sur un budget de 3 100 000. Le Haultois, il sait que depuis toujours, il a toujours payé pour se défendre contre les éléments et puis que finalement, on recule. Finalement, on recule quand même, tout en payant. On a décidé du statu quo, surtout de ne pas faire de défense, parce que le coût des défenses était absolument énorme par rapport aux biens qui étaient en cause. L'argent public est rare, il doit être consommé à bon escient. Et lorsque la protection coûte beaucoup plus cher que le rachat des biens, on choisit le rachat des biens. Toute la zone que vous avez là devant vous, il y avait 11 maisons. 11 maisons qui ont été rasées suite à la procédure Barnier qui a été mise en place. Et vous avez les vestiges avec encore des arbustes qui sont les témoins de jardin. Il faut se mettre face à la réalité. L'homme ne peut pas tout faire face à la nature. Eh bien, entre Criel... Vous avez entendu ? Il y a eu un craquement. Il y a une sorte de dalle qui commence à s'individualiser. La différence entre Criel et Hault, je dirais, est fonction d'un contexte. À Criel-sur-Mer, les vrais problèmes sont vraiment apparus dans les années 90 et le maire a pris, je crois, une bonne décision qui a consisté non pas à essayer d'investir dans des ouvrages lourds de défense contre la mer, qui avaient d'ailleurs un coût qui était supérieur à la valeur des maisons qui étaient à protéger. Finalement, il a décidé, dans les années 90, d'exproprier les personnes. Et il a eu raison, parce que les maisons qui étaient normalement en haut de falaise, au jour d'aujourd'hui, auraient été rattrapées par le recul. Et puis, on a une autre situation à Hault. Hault, les problèmes sont apparus véritablement dans les années 70, et notamment après la tempête de 78, qui fait que deux maisons se sont effondrées. Et là, on est dans un contexte historique où on faisait encore amplement confiance au génie civil, à l'ouvrage en béton qui était salvateur et qui était la seule solution. Et à cette époque-là, on avait encore, je dirais, dans les collectivités, les budgets possibles. Eh bien, à cette époque, on a finalement décidé de lutter contre la nature, ce qui maintenant montre que c'est bien illusoire. Le réchauffement climatique et l'élévation du niveau des mers, certes, sont anecdotiques au regard des tempêtes qui entraînent des élévations de 1 mètre, 2 mètres du niveau des mers. Mais gardons à l'esprit que cette élévation du niveau des mers liée au réchauffement climatique va servir de tremplin aux futures tempêtes, qu'elles soient plus nombreuses ou plus intenses ou pas.